Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça peut aller. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul Noz. Bon, non, en vrai, qu'est-ce qui m'a pris d'aller chez Noz? Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Noz. J'ai trouvé des petites choses et je vous montre tout ça. Alors, je commence par les choses un petit peu froides. Voilà, rayon frais, Nigan va me dire si vous m'entendez. Donc, j'ai pris, comme à mon habitude, des pizzas chez Noz. Hein. Donc, là, il y en avait des docteurs haute queue. C'est Feliciana Classica Special. Donc, il y a des genres de chorizo ou salami avec du jambon. C'est tout mélangé. Et je les avais déjà goûté, elle, il y a longtemps, moi. Et puis, Nelson les avait reprises la semaine dernière, je crois. Et je les avais trop aimées avec du fromage rajouté par-dessus, bien sûr. Mais donc, j'en ai pris 3 boîtes. Voilà. C'était 1,75 par boîte. Donc, j'en ai pris 3, comme je vous ai dit. Pour 4,99, toujours rayon surgelé, j'ai pris des dés de poulet congelé. Donc vous voyez, c'est un sachet de 1 kg, je me dis ça, pour ajouter dans des petites salades, ou même mettre dans du pain, ou sur une pizza, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que ça va donner. On nous dit quoi? Eau, sel, viande de poulet, c'est de la cuisse de poulet, eau, sel, poivre blanc, à consommer de préférence, c'est de préférence, avant fin octobre 2023. Voilà, mais en tout cas, un gros paquet comme ça, 4,99€, pour cuisiner, moi je dis... Oui. Désolée si vous avez l'impression que par moment vous êtes de travers comme ça. Pour 8,99€, j'ai pris des gambas comme ça. Ce sont de gros calibre. Hein, parce que regardez. Et c'est des grosses gambas. C'est des 800 grammes, donc 8,99€. Moi, je trouve ça super raisonnable. Il y avait le petit paquet 400 grammes à 5,86€, si je ne me trompe pas. Mais moi, je préférais prendre 800 grammes pour faire un bon curry Cameroun, là. Donc, des gambas... quoi dire dessus, rien de plus. 800 grammes, 8,99€. Moi je trouve ça raisonnable, même si c'est cher, mais c'est raisonnable pour ça. Donc j'ai bien mangé, je sais pas quand, mais j'ai bien mangé. Ils appellent ça des croquettes de poulet. Voilà, je ne sais plus le prix, je vous mettrai à l'écran parce que là le ticket avant de retrouver, j'y serai jusqu'à demain. Donc des croquettes de poulet comme ça, c'était pas très cher, c'est pour ça que j'ai pris. C'est bon jusqu'au 5 mai 2025. Il y a 500 grammes. Mais, alors là, pas du tout. C'est écrit croquettes de poulet sur l'étiquette là-bas et moi, j'ai pas retourné le paquet. Et finalement, c'est croquettes de morue. Croquettes de morue. Ok, croquettes de morue, alors. Voilà, donc, 500 grammes de croquettes de morue. Voilà. Je vous ai dit, je partais sur de l'utile. Non, je vous l'ai pas dit. Mais écoutez Lady, je partais sur de l'utile et j'ai terminé en agréable. Si je dis n'importe quoi. J'ai tout simplement laissé ma gourmandise parler, donc j'ai pris des Twix comme ça. Normalement c'est 1,79€, comme il n'y a pas l'étiquette, je vous écrirai sur l'écran. C'est les Twix caramel, ça allait, bon ce sont pas mes préférés, mais quand même ils étaient là. Je me suis dit viens chez moi. Encore une gourmandise. J'avoue, je plaide coupable. Donc, Milka Oreo, comme ça, 5 fois, c'est des petits paquets. Et là, c'était par contre 1,69€. Dans les rayons, comme ça, j'ai trouvé ce petit paquet-là vraiment trop, trop magnifique. Amoretta. Voilà. Donc, pour 2,29€, franchement, j'aurais voulu le prendre pour ma mère, mais malheureusement, ça se termine ce mois-ci, en août 2023. Donc, je ne vais pas leur donner des choses périmées. Bon, même si le chocolat ne se périme pas, mais quand même, je ne vais pas donner des choses où la date est passée. Donc, je vais garder pour moi, mais c'était vraiment trop, trop mignon comme ça. Regardez-moi cette petite boîte. Je sais qu'on est en août, hein. Mais voilà, ça se termine. Voilà, en août là, donc jusqu'à la fin du mois. Donc c'est 2,29€, c'est des pralinés, fraises et crème. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je vous montrerai certainement ça en vlog. Donc ceux qui ne me suivent pas en vlog. Voilà, mais je ferai le déballage en vlog, je pense, pour vous montrer. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, vous donnez ça à quelqu'un, une jolie petite boîte comme ça. Bon, même si la personne va s'attendre à quelque chose d'autre. Dites-moi, si quelqu'un vous donne comme ça, vous n'allez pas croire que c'est du chocolat dedans, non? Je sais pas, c'est tellement joli. Tellement joli. Ensuite, je me suis prise un rouleau à pâtisserie parce que j'en avais pas. Pour la petite histoire, la dernière fois que j'étais partie à Noz avec ma Anis, j'avais vu, elle en a pris, elle en avait pris. Sauf que moi, je me suis dit non, j'ai pas besoin, etc. Mais je n'ai pas arrêté de penser à ça. Du coup, j'ai craqué, j'ai pris un petit rouleau de pâtisserie, ça sera mieux pour faire les pizzas et tout. Donc, 2,50€. Et au pire, quand ma Anis fera des recettes, si elle utilise le rouleau de pâtisserie, j'en aurai un. Voilà, donc mets-toi au travail, ma Anis. Donc, 2,50€. Sinon, il y avait ceux un peu plus grands
à 2,99€. Ça, celui-là, c'est 2,50€, mais ça me va, ça me convient. J'ai pris un ketchup. Vous savez que ketchup pour les 10, c'est la vie. Donc, tomato ketchup, Wild Bill, de la marque Wild Bill. Je connais pas du tout, mais moi, tant qu'on me dit ketchup, je prends. Donc, voilà. Et surtout pour le prix, hein, c'était 59 centimes. Il se termine le 13 septembre. Voilà, donc j'ai du temps et ça sera fini. Moi, le ketchup, il me dure à limite une semaine et demie. Donc, tout à fait potable et tout à fait bon plan. Voilà. J'ai pris cette petite bouteille qui m'a attirée. Je bois pas d'alcool, mais j'ai pensé à mon chéri. Donc, cuvée 21, brut, millésimato. Voilà. Donc, à chaque fois que je vous le répète, mais on me dit toujours que plus c'est enfoncé, plus ça veut dire que c'est un truc de qualité. Donc là, on voit très bien que c'est bien enfoncé, là-dessous, là, comme ça. Du coup, je pense que c'est un bon truc. Donc, petite bouteille. En plus, elle est trop, trop belle. Voilà, donc... Je sais pas ce que j'ai. Je suis attirée par les trucs en gold en ce moment. Les trucs surtout avec ce genre de motif. Vous verrez pourquoi je dis ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, c'était 2,99€ pour 75 centilitres de 99. Voilà. Mais elle est trop belle, la bouteille. Ensuite, j'ai pris des pâtes. Cela s'appelle les macaroni. Macaroni. C'est pas macaroni ni coquillettes. C'est macaroni. Parce que regardez, ça ressemble un petit peu aux coquillettes, mais un petit peu plus grand, on va dire. Mais bon, je sais pas. Macaroni. 79 centimes. Il faut que je m'entraîne à parler italienne. Donc, macaroni. Comme ça, c'est quoi? C'est 500 grammes, 79 centimes, un petit paquet de pâtes à la maison, ça fait à tout jour. Après le ketchup, j'ai trouvé aussi de la mayonnaise. Donc, ça, c'était 1,99€ si je me trompe pas. C'est de la mayonnaise fine, recette fouettée au blanc d'œuf. Franchement, la marque Amora, 1,99€. Ça se termine en décembre, donc j'ai le temps. Et la mayonnaise, pareil, ils en consomment ça vite ici. Donc, au blanc d'œuf. Voilà, voilà, petite mayonnaise Amora. Ça passe. Toujours, toujours. J'ai pris 3 paquets comme ça pour les 3 petits loustiques que j'ai. Donc, Milka Oreo comme ça. Ouais, des Milka Oreo comme ça en petit paquet. Chacun en aura son petit paquet. Pas aujourd'hui forcément, mais voilà, ce sera là. Donc, c'est 1,20€ par paquet. C'est dedans comme des genres de... C'est emballé en forme de petits bonbons comme ça. Donc, voilà, voilà. J'ai pris ça. Pas que je fasse beaucoup de pâtisserie, mais pour écrire... quelque chose sur un gâteau, quoi que ce soit. Je sais pas, m'amuser. Je me suis dit, vas-y, prends, tente. En plus, c'était pas très très cher. Donc, j'ai pris, comment ils appellent ça? Glaçage, du glaçage blanc. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez faire comme ça sur les petits biscuits et tout. Donc, c'est là, toujours de la marque Dr. Oetker. 99 centimes par tube. Donc, les tubes, ils font 125 grammes par tube. Donc, voilà, j'en ai pris 2, 99 centimes unité. J'ai trouvé ce genre de petite... ça se dit capsule sugar free mint. Donc sans sucre, je ne sais quoi. Hein. Des petites capsules... attendez. Bonbons à laine fraîche framboise. Voilà, tout simplement. Donc c'était pas cher. Des petites capsules pour la laine. 50 centimes. Voilà. Donc j'en avais pris 2 paquets là dessus. Ouais, tout au fond. Donc regardez-moi comme ça. Je vais essayer de... Voilà, ça se présente comme ça, vous voyez, des petites capsules, et en plus c'est écrit, dedans c'est écrit quelque chose, je sais pas, non, je sais pas, regardez. Donc les petites capsules, vous les mangez, et apparemment ça donne bonne haleine, et celui-là, c'est à la framboise menthe. Voilà, j'ai pris 2 petits ustensiles de cuisine, donc il y avait ça, comme un genre de gros, de grosse pelle, de gros râteau, mais pour prendre les gâteaux, je trouve... C'est parfait. Je sais pas à quoi il sert, hein, dites-moi si vous savez où à quoi ça sert ce truc. Et moi, je vous dis, pour prendre les gâteaux, c'est pratique. Donc, c'était 99 centimes. Il n'y a plus tout l'étiquette. Enfin, moi, je dis pour prendre les gâteaux comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me servira à ça. Et j'ai pris un pic en plastique et il est assez solide. Donc, les pics pour la viande, quand vous retournez des viandes, etc. Donc, pareil, 99 centimes. Moi, j'en avais pas des genres de pics en plastique. Donc, 99 centimes. En plus, c'est noir. Sympa. Les ustensiles de cuisine. C'est toujours utile. J'ai retrouvé le deuxième. Donc, je vous mentais pas. Un, celui que j'ai ouvert et l'autre ici. Et pareil, hein, c'était 50 centimes. J'ai pris des piles parce que les piles ici, on en a une consommation folle entre les guirlandes électriques, les petits jeux, les télécommandes, etc. Donc bref, j'ai pris des piles, donc ils sont tous deux à 1,89€, que ce soit les grosses AA ou ce soit les petites AAA. Voilà, donc,
je ne connais pas cette marque, mais ils étaient tous deux 1,89€. Je vous avais dit qu'au départ, c'était de l'utile. Bon, j'avais craqué pour des chaussettes pour Monsieur Yannick et Nikian. Nikian, la rentrée, tout ça. Donc, j'avais pris de l'eau pour Monsieur Yannick, de l'eau pour Nikian. Mais s'il faut, j'en prendrai parce que les chaussettes ici, ça disparaît. Je suis comme tout le monde, je suis comme vous tous. Les chaussettes, ça disparaît. Ils les mettent dans des baskets, ils les font tomber dans des coins, ils les mettent dans un coin dans la salle de bain. Mais moi, j'ai horreur de laver les chaussettes dans mes machines de vêtements. Donc, 1,99€, il y a 3 paires à chaque fois. Donc, là, toutes noires, vous en avez 3. C'est chaussettes version soquet. Soit des toutes blanches ou soit des mélangées. Vous en avez une avec une noire, une grise, une blanche. Voilà, comme ça. Donc voilà, les chaussettes, c'est toujours utile. 1,99€ par lot de 3. J'avais vu une boîte comme ça, je me suis dit les marqueurs de tableau. Voilà, parce que je sais qu'il en fallait des pointes moyennes pour InOne. 10 pièces à l'intérieur et c'est 1,79€. Il n'y a pas l'étiquette dessus. Mais vous voyez, c'est des pointes moyennes comme ça. Pour 1,79€, 10 feutres. Ça, j'espère que ça lui fera l'année. Voilà, même si j'en avais déjà ici à la maison, ça va à une vitesse folle avec les enfants. Donc, et même si ça ne sert pas cette année, ça servira à une autre année. 1,79€, 10. Voilà. J'essaie de me dépêcher parce que la batterie de mon téléphone est en train de céder. Donc, j'ai pris une petite bougie comme ça pour les prières. Vous voyez, une petite croix comme ça. Donc, ces bougies toutes simples. Vous voyez, le genre de... pas dire siège, c'est pas un siège, mais voilà, les bougies de prière. Regardez dessus comme ça, avec le petit chapeau, petite croix. Et voilà, à l'intérieur, la petite mèche comme ça. Vous allumez quand vous faites votre petite prière, vous l'éteignez après. Voilà, petite bougie de prière, tout simplement. Ou bien si vous déposez ça dans des lieux saints, etc., pour faire votre prière. Comme vous voulez, mais en tout cas, ça, c'était 75 centimes. Il faudrait pas que je les oublie dans mes sacs parce que je l'ai pris pour ma mère. Pour 59 centimes unité, je lui ai pris deux rubans comme ça. Parce qu'elle fait des trucs, elle fait des activités manuelles, etc. Donc 59 centimes pièce, des petits rubans comme ça marronnés. Donc 59 centimes, ils sont tous à 59 centimes. Voilà, des petits rubans marronnés comme ça. Et des beiges, vous voyez pas trop la différence de couleur. Mais celles-ci sont beiges. Donc 59 centimes aussi. Donc j'ai pris deux comme ceci et deux comme cela. 59 centimes par rouleau, tout simplement. Donc ça lui servira à faire une petite bricole. Hein, écoutez. Voilà pourquoi je vous disais que j'aimais trop l'or en ce moment, les motifs comme ça, etc. Parce que je voulais prendre ce papier collant, exactement le même chez Shein. Mais je ne savais. Je le mets, j'enlève, je le mets, je l'enlève. De mon panier. Donc j'espère que je n'ai plus craqué après. Donc pour 1,99€, j'ai pris ce rouleau-là avec les motifs géométriques. C'est du papier adhésif. Hein. Oui, rouleau adhésif résistant à l'eau et à l'humidité. Donc c'était pour mettre au niveau... Attendez. Au niveau de là. Parce que vous voyez, là, il y a mon tapis, c'est pas grave. Mais je l'ai laissé comme ça. Et c'était pour mettre dans le petit angle là, tout en descendant. Avoir un motif un petit peu gold pour aller avec mes tableaux et tout, parce que voilà, ceux qui connaissent un petit peu chez moi, commencez, vous voyez un petit peu. Oui, Lady aime trop la décoration, mais money is money, hein, mais de temps en temps que je trouve un petit truc qui me plaît, je craque. Donc ce rouleau adhésif là, il va faire superbement l'affaire parce que je le voulais ce chili et je l'ai vu en face de moi, donc c'était un signe. Et je l'ai pris 1,99€ pour non, c'est pas ça. Il y a tous les trucs qui se sont emmêlés dessus. Donc 5,99€. Parce que 99 centimes, j'en aurais pris plein sinon. J'ai pris ce petit globe. Voilà. Bon, malheureusement, il est en anglais. Mais ça fait trop toujours. trop toujours. Pas très français tout ça. Ça fait trop très longtemps que je voulais un petit globe. Que ce soit pour moi, que ce soit dans la chambre des enfants. Donc là, j'en ai pris. Je sais pas si je le laisserai dans mon salon ou pas. Parce que mon thème, c'est pas ça. Mais enfin, quoi que ça peut le faire. Mais je ne sais pas. En tout cas, il est là. 5,99€. Ça fait un peu cher quand même. Parce que je crois que chez Axo, des fois, ils en avaient à 3,99€. Mais je tombe jamais dessus. Jamais. Donc, je l'ai trouvé en comme je voulais. Juste que j'aimerais avoir un rose pour moi. Un rose. Voilà. Donc, j'aimerais avoir deux. Celui-là et un rose. Voilà. Voilà. D'où me vient un petit peu cette passion pour les globes terrestres. Parce que ma grand-mère, qui est aussi ma marraine, quand j'étais petite, elle avait un gros globe.
Et c'était un bar à bouteilles en fait, mais c'était un gros globe et à chaque fois ils m'intriguaient. Là, ça fait les globes, ça fait voyager, ça te fait rêver, etc. Donc voilà, j'ai toujours eu la passion de ça, mais j'en ai jamais eu. Donc là, une des choses que j'ai toujours voulu et j'ai fini par craquer, 5,99. Lady, où vas-tu aller la prochaine fois? Malawi. Je sais pas, en tout cas non. Voilà, donc petit globe comme ça, très très sympa. Et puis ça me fera travailler mon anglais au pire pour savoir où sont situés les trucs. Mais bon, franchement. Voilà. Donc 5,99. Et pour terminer, j'ai fait. Ah non, c'est pas pour terminer, attendez. J'ai pris un lot de 3 boucles d'oreilles comme ça. Ils sont trop, trop mignons, le genre de boucles d'oreilles que j'aime, trop simple. Donc petite pierre, comme ça, motif rond. Et comme ça, voilà. Ça c'était 1,99€ pour 3 petites pierres, ça va. Et sinon, comme je vous disais, j'ai fait un craquage. Mais un craquage de folie. Il faut m'arrêter, parce que j'ai trop craqué. Il faut éloigner Noz de moi. Je pense avoir pris tous les modèles possibles, je pense. Donc j'ai craqué pour T et Fozong. Ils étaient tous à 99 centimes. Donc il y a celle-ci que j'ai pris en double parce que j'en mettrai un dans les affaires de ma mère. Je sais pas si elle donnera à Valentine ou pas, mais je mettrai dans ceux de ma mère. Donc 99 centimes, c'est écrit ongles plus colle incluse, mais les colles dedans, c'est généralement pas trop ça. Donc regardez-moi ceux-là, comment elles sont trop trop jolies avec les petites fleurs au-dessus, tout ça, transparentes et roses. Voilà. Les bords comme ça, il faut les limer encore un petit peu selon moi. Donc voilà, 99 centimes, j'ai trouvé celui-là, les petits cœurs d'amour comme ça. Trop mimi, rouge, 99 centimes. J'ai trouvé les noirs comme ça avec des petites marguerites et smiley. Trop mimi aussi. Les petites flammes, 99 centimes en bleu. Les petites fleurs, flammes, je ne sais quoi, 99 centimes aussi. Les petits pois, en petit pois rose et blanc. Une version un petit peu léopard et en même temps marbrée, 99 centimes. Et pour terminer, une version chocolatée blanc-noir, 99 centimes également. Voilà. Voilà, ce haul est fini. Comme vous avez vu, c'était un big craquage. J'aurais pas dû passer aux autres rayons, que ce soit la nourriture ou que ce soit les ongles. J'ai craqué. Je vous jure, j'ai craqué. Mais bon, il y avait quand même de l'utile, non? Dites-moi ce qui vous a le plus... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Donc j'ai pris 3 casquettes pour Monsieur Yannick. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, bref, c'est juste pour faire ses TikTok. Hein. Je pense pas qu'il va les mettre pour sortir. Enfin, là, selon moi. Donc petite casquette comme ça. Voilà, blanc. C'est écrit hip-hop au derrière. Et ça, c'était 1,99€. Voilà. Bon. Je préfère répéter, consommer. Ne pas consommer de drogue ou de choses illicites. Faites attention à votre santé. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Trouvez celle-ci en orange. Voilà. Je sais pas trop ce que ça représente. Hein. Mais orange. Il a pas trop de casquette orange. Donc, ça change un peu. Pareil, c'est écrit hip-hop aussi derrière. Et pour terminer, un petit peu version Bob Marley, là. Vert, jaune, rouge. Donc c'est écrit Yums, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire Yums, mais en tout cas noir. Et derrière c'est réglable aussi. Et ça aussi c'est 1,99€. Voilà, écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. Dites-moi l'article que vous avez préféré dans ce haul, si vous avez rien aimé, si vous auriez pas fait du tout ces achats-là. Dites-moi tout ça, de toute manière chacun a ses... Chacun a ses préférences, chacun a ce qu'il aime, voilà. Donc j'espère que ce petit haul vous a plu. Moi, ça me fait toujours du bien d'aller à Noz, bien à moi, mais mal à mon porte-monnaie. Je ne dis pas que ça arrange la santé, ça arrange le moral, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Mais ça fait du bien. Et comme quand vous êtes une céréale noseuse qui aime
les décorations et tout, ça vous fait un petit peu rêver, ça vous fait, même si vous achetez pas forcément, déambuler dans les rayons, ça fait penser, tiens, la prochaine fois quand j'aurai, je pourrais acheter ça, je pourrais, parce que moi j'ai vu plein d'accessoires que j'aimerais, mais j'ai pas tout acheté, bien entendu, hein, il faut faire un choix à un moment donné ou à un autre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.